Après le succès de la saison dernière, le Théâtre Comédie Odéon présente la deuxième édition du festival French Connection à Lyon. À l'origine de ce projet, la promotion des nouvelles vagues d'artistes francophones. Cette soirée de concert le dimanche. Prochaine date, 17 février, avec Loïc Lantoine et Tom Byrne. Programmation sur comédieodéon.com. Les sommets du digital, c'est une expérience immersive de 3 jours au cœur des Alpes. Une cinquantaine de conférences sont menées par des invités qui bousculent notre cadre de référence, marquent nos esprits et ouvrent de nouvelles perspectives. Les sommets du digital, c'est du 4 au 6 février à La Clusaz. L'espace nordique des monts du Pila organise cet hiver des veillées nordiques. Venez découvrir la faune et la flore des massifs ligériens avec un animateur nature professionnel qui profitera de l'obscurité pour vous faire développer vos sens. Rendez-vous ce samedi 2 février au Bessat à 17h. Retour vin chaud et chaud-boutine, ces belles tartines campagnardes garnies. Le festival Transfo, le festival du numérique pour tous, se termine ce jeudi. Si le camp de base se situe à Grenoble, plus de 200 événements gratuits et ouverts à tous ont lieu dans tout le sillon alpin. Ateliers d'initiation au code informatique, pilotage de drones, concerts, films, spectacles, expérimentations. Créez votre programme à la carte sur le site du festival. Le festival international du court-métrage aura lieu du 1er au 9 février à Clermont-Ferrand. Au programme compétition internationale et nationale, compétition labo, des films de jeunes réalisateurs, français et étrangers, des films en région ou jeune public. Le pays invité cette année est le Canada. Les rencontres du livre, de la truffe et du vin auront lieu à Grignan, à l'espace Sévigné, du 1er au 3 février. 3 jours festifs avec expo photo, atelier enfant, show culinaire à 8 mains, proposé par 4 chefs et retransmis sur écran. Un casse-croûte truffé est également prévu, un événement à consommer avec modération.